basic access to legal and medical protection. Those who lost their homes living in proper dwellings or in shelters, where the issue of their personal security is always an issue at stake. Rest Avec girls look for host families for food and shelter. The UN and HNP have improved their security presence in many camps, we're learning, and the UN Population Fund, together with the other NGOs, have operated to increase lighting, medical services and sanitation in many shelters. Yet Human Rights Watch reported that many victims still struggle from various reasons to get access and timely benefit from post-rape medical services as to prevent undesired pregnancies. To most girls and adult women in post-earthquake Haiti, access to sexual education, family planning and obstetric care is not a choice. While the total lack of information regarding obstetric care has led many of them to either hide or ignore their pregnancies or give birth in improper situations before being transported to a hospital. It is sad and telling that pregnancy numbers in camps outrate by 3 times the urban ones. Trading sex for nourishment without using any contraception methods has led to a fast rise in sexually transmitted diseases. We will be glad if you could comment on the various legal provisions, governmental policies and practical measures as well, adopted today in post-earthquake Haiti to protect women and girls from the various dangers and inconvenience enumerated above, also focusing on the policies aimed at supporting the UN, the work of UN and international relief and humanitarian agencies that qui se concentre sur les politiques visant à soutenir le travail des Nations Unies et des agences humanitaires qui travaillent dans le pays pour garantir la transition vers une société normale. La question 19, emprisonnement pour dette. En effet, vous avez veuillez répondre aux accusations selon lesquelles le non-paiement d'une dette civile a parfois entraîné l'arrestation et la détention de personnes. Il semblerait qu'il y ait un certain niveau d'ambiguïté dans ce domaine à l'heure actuelle. Nous souhaiterions avoir davantage de précision. La loi sur la faillite en Haïti, comme nous le savons, a été promulguée en 1826 et modifiée en 1944. Nous savons que il y a certaines pratiques visant à obtenir des hypothèques et cela implique des procédures anciennes qui ne peuvent pas être enregistrées. La loi haïtienne précise 3 phases de faillite. Première phase, la cessation de paiement. Un jugement de faillite est émis dans la deuxième étape qui transfère le droit d'administrer des actifs du débiteur au directeur de la Direction générale des impôts, DGI. Dans cette phase, les actifs sont bloqués et le débiteur doit aller en prison des débiteurs. Dans la troisième phase, les dettes vérifiées du débiteur sont payées d'après les actifs existants. Depuis 1955, la majorité des cas de faillite ont été réglés au tribunal. Bon, nous avons appris hier lors de la réunion qu'il y a peut-être eu des amendements à cette loi sur les débiteurs, mais les juges utilisent des dispositions d'une autre loi qui pénalise la fraude, pas seulement la dette, afin d'emprisonner des débiteurs dont on soupçonne qu'ils sont à l'origine d'actions illégales sur le plan financier. Nous souhaitons savoir, en présence d'une telle ambiguïté, ce que font les juges de Haïti pour respecter la présomption d'innocence lorsqu'ils traitent des débiteurs. Qu'est-ce que Haïti fait pour amender l'ancienne loi sur les faillites pour éviter le recours à des dispositions de substitution et garantir les droits stipulés par le pacte? 24 sur la liste des points. Veuillez fournir d'informations sur le nombre de personnes arrêtées pour avoir lynché ou tenté de lyncher des personnes qui pratiquent le vaudou, les sanctions imposées et les réparations apportées aux victimes. Veuillez également décrire d'autres mesures prises pour prévenir de tels actes et pour lutter contre la discrimination pour des raisons de religion. Veuillez préciser également si toutes les dénominations religieuses peuvent être enregistrées sans difficulté et sont reconnues par l'État parti. L'épidémie de choléra de 2012 a été source non seulement d'une infection virale à large échelle, mais également a entraîné de la colère contre les forces de maintien de la paix étrangères qui étaient accusées d'en être responsables. Suite à cet épisode, un grand nombre de réfugiés haïtiens se sont tournés contre les prêtres vaudous et ces derniers ont été lynchés
accusé d'avoir répandu le choléra. Lors des événements de décembre 2010, pas moins de 45 personnes ont été lynchées alors que Haïti continue à être ravagé par l'épidémie de choléra. Le ministre de la communication de Haïti a encouragé les Haïtiens à mettre un terme au lynchage et a lancé un appel pour une campagne d'éducation nationale pour veiller à ce que les personnes comprennent comment se propage le virus du choléra. En dépit de ces progrès, l'élimination de l'article concernant la liberté du culte dans la nouvelle constitution a entraîné une certaine justice personnelle basée sur la vengeance. Qu'est-ce que Haïti a fait pour décourager de telles pratiques, telles que le lynchage et la justice entre les mains des citoyens, et pas seulement par rapport aux cas de pratiquants de voodoo. Maintenant, concernant la liberté religieuse, aucun rapport crédible d'abus de la liberté religieuse n'a été fait. Or, certains membres des communautés vaudou ou musulmanes continuent à se plaindre qu'ils n'ont pas droit aux mêmes protections juridiques que les chrétiens. Certains dirigeants religieux musulmans déclarent que le gouvernement n'a pas été disposé à reconnaître l'islam. Les musulmans mariés dans le cadre d'un rituel religieux n'ont pas reçu la même reconnaissance du gouvernement que l'on accorde aux chrétiens qui se marient à l'église. Quelles mesures sont prises jusqu'à présent pour éviter de telles perceptions discriminatoires par rapport aux minorités religieuses? Maintenant, la question 25. Liberté de pensée, de conscience et liberté d'opinion et d'expression. Article 19. Veuillez indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir la liberté d'expression garantie par la Constitution, y compris pour protéger les journalistes contre l'intimidation et la violence. Bon, nous avons eu plusieurs rapports d'ONG qui parlent d'impunité par rapport au meurtre de journalistes Jean-Claude Louisian, Jean-Léopold Dominique, Gérard Denose, Brignol Lindor, Igor Ortodéa, Abdias Jean, Robinson Larac, Jacques Roche et Jean-Rémy Baudio. Ensemble avec mes collègues, il me semble important de voir si les fonctionnaires de Haïti garantissent que ces enquêtes de ces crimes se font de manière objective et à point nommé, que les résultats soient communiqués de manière prompte au public et à ceux qui sont considérés comme étant responsables. Il est important également de mener les affaires actuelles à leur terme et de garantir que des procès sont ouverts dans des cas où aucune enquête n'a été lancée jusqu'à présent. Il est important également de rappeler les autorités haïtiennes de leurs responsables, de faire en sorte que les personnes attaquant les journalistes soient traduites en justice, de les empêcher et de les maintenir en détention préventive lors des enquêtes pour éviter toute représaille. Je m'associe également à ceux qui proposent que l'État haïtien doit protéger les trois catégories impliquées dans ces enquêtes. La justice, d'autres fonctionnaires et témoins. Et il est important également de lancer une enquête indépendante, y compris les accusations d'intimidation des autorités judiciaires et des témoins et l'interférence politique dans le système judiciaire. Maintenant, la question de la diffusion de l'information liée au pacte. Nous souhaiterions savoir comment le pacte a été diffusé en traduction dans les autorités haïtiennes. Est-ce que les articles ont été soumis à l'attention des législateurs et des responsables pour mettre en œuvre les dispositions du pacte en Haïti? Et je souhaiterais savoir également si les principes de droits de l'homme auxquels votre pays a souscrit ont été intégrés dans les stratégies d'éducation de votre gouvernement à tout niveau, en allant de l'instruction des enfants, et nous saluons à ce sujet les politiques d'éducation récemment adoptées, à l'instruction d'adultes et en particulier à la formation de ceux qui travaillent dans l'administration et dans le maintien de l'ordre civil. Le Président, merci Monsieur Zatescu. Intervenant suivant sur ma liste, Madame Majodina. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi également de remercier la délégation pour les réponses très détaillées que nous avons reçues hier aux questions que nous avons posées. Et j'ai hâte de bénéficier d'une coopération renforcée de la part de la délégation. Et j'attends
me réjouis d'entendre vos réponses aux questions que je souhaite vous poser. Tout d'abord, les évictions forcées, question 20. Concernant les personnes déplacées internes. Bon, j'ai également d'autres questions à poser, mais jusqu'à présent, j'ai été satisfaite des réponses qui ont été données par l'État. Donc, pour ce qui concerne le point 20 sur les personnes déplacées internes, je prends bonne note des réponses écrites et dans le rapport initial. Le gouvernement s'est efforcé de faciliter le retour d'un grand nombre de familles déplacées qui se trouvaient dans des camps et s'est efforcé de les rapatrier dans leurs foyers originaux. Mais il semblerait, d'après les informations dont nous avons été saisis, que ces programmes de retour des personnes déplacées internes ont été accompagnés d'un grand nombre de problèmes et n'ont pas été entièrement couronnés de succès. J'imagine qu'il y a eu certaines réussites ci et là. Mais dans certains cas, des personnes déplacées ont été l'objet d'évictions. On a vu cela dans certains camps. Mais les ONG ont également exprimé des préoccupations concernant un grand nombre de violations se produisant dans le contexte de ces évictions forcées dans les camps. Aucune enquête réelle et efficace n'a été effectuée. L'on a également enregistré des détentions arbitraires dans les camps, un grand nombre de cas de discrimination contre des personnes vivant dans ces camps. Et il ne semble pas que l'on ait pris de mesures durables pour éviter ces évictions forcées. Et aucune solution pérenne n'a été trouvée jusqu'à présent pour résoudre le problème des personnes déplacées internes. Les subventions au loyer ne semblent pas une solution. Et le programme mis en place par le gouvernement est encore à un stade précoce. Donc, on n'en a pas encore vu les résultats. Ma question est la suivante. Les autorités de Haïti ont-elles examiné tout d'abord la procédure d'enregistrement des personnes déplacées internes, conformément aux informations reçues récemment? Il semblerait qu'il y ait que l'on ait l'intention de fermer tous les camps des personnes déplacées internes à tout coup. Toutes les personnes enregistrées comme personnes déplacées semblent avoir été retirées de la liste suite à une modification des critères quant à la définition des personnes déplacées. Je souhaiterais donc que la délégation me fournisse davantage d'informations sur cette question. Je suis également très préoccupée par les évictions forcées. Dont nous ont fait part un grand nombre de personnes qui travaillent sur le terrain. Quelles mesures législatives peuvent être prises pour interdire les évictions de manière générale et les évictions forcées plus précisément jusqu'à ce que l'on ait pu mettre en place d'autres garanties respectueuses des normes internationales en matière de droits de l'homme. Dernière question, quelles mesures législatives peuvent être prises pour mener des enquêtes efficaces sur tous les cas d'évictions forcées pour faire en sorte que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes bénéficient de réparations? Autre question concerne les documents d'identité des personnes qui les ont perdus ou pour les enfants. Et quelles sont les mesures visant à réglementer l'adoption des enfants? Bon, je suis assez satisfaite des réponses qui ont été données, comme je l'ai déjà dit. Au vu des circonstances actuelles, je crois que les autorités d'Haïti font tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver des solutions à ces problèmes, donc les documents, papiers d'identité et l'adoption des enfants. Je ne vais donc pas poser d'autres questions sur ces questions. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Ms. Président, merci, Madame Majodina. Liste, Monsieur Benachou. Monsieur Benachou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
Les deux points que je dois traiter, 22 et 23, ont tous les deux rapport avec le système judiciaire. Ce sont donc deux questions importantes. La question 22 est relative à l'état d'avancement du processus de réforme de la justice. Elle est également relative au projet de justice itinérante au niveau des tribunaux de paix et enfin au problème de l'accès de la justice pour les plus démunis et les groupes non francophones. La réponse du gouvernement haïtien a consisté à dire qu'il y avait une réforme de la justice, effectivement, les lois de 2007, n'est-ce pas, les trois fameuses lois de 2007, notamment la loi sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'installation et le renforcement des capacités du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avec l'aide du PNUD et de l'Union européenne. Le projet de réforme du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, la loi sur les modalités de fonctionnement de l'école de la magistrature, qui est destinée à former les magistrats. La justice itinérante, vous nous dites qu'il n'y a pas eu de suite, mais que quand même, il y a eu 39 annexes qui ont été créées dans les tribunaux, des annexes des tribunaux de paix depuis 2012. Vous évoquez également la création du bureau de l'assistance légale et vous nous dites que le créole est utilisé devant les tribunaux. Alors, sur ce problème de l'accès à la justice, je pense que il y a un problème. Et ce problème, il est évoqué notamment par le rapport de l'Office de protection du citoyen. Je lis dans ce rapport, et je vais vous le lire parce que c'est un rapport quand même objectif qui n'est pas... qui n'est pas animé par des motifs d'hostilité vis-à-vis d'Haïti. Ce que je lis, c'est que, au paragraphe 7 de ce rapport, c'est que les conditions minimales d'accès à la justice ne sont pas créées, le coût élevé des services juridiques, la formalisation excessive des procédures, l'absence d'un vrai programme d'assistance légale, le non-respect des délais de procédure et la lenteur du système sont autant d'éléments qui ne favorisent pas nécessairement la mise en place d'une justice de proximité. Et d'ailleurs, ce problème de l'accès à la justice est évoqué par le rapport de l'État, par le rapport de l'État parti, notamment dans les paragraphes 81, 82, jusqu'à 87, n'est-ce pas, des paragraphes 81 à 87 du rapport. Le gouvernement est conscient du problème. Vous dites que l'accès à la justice est limité pour diverses raisons. D'abord, la couverture judiciaire est insuffisante. Je suis toujours en train de suivre le rapport de l'État parti, paragraphes 81 à 87. Vous avancez également un autre motif, c'est que l'assistance judiciaire qui est accordée par le barreau aux démunis est restreinte et n'est pas encadrée. Vous évoquez, dans le paragraphe 84, la lenteur et la complexité de la procédure, qui sont des causes qui freinent, n'est-ce pas, l'accessibilité à la justice. Vous évoquez même l'indépendance des tribunaux et la formation des magistrats, qui sont des problèmes préoccupants. Donc, je crois que le problème de l'accès à la justice est établi. La question que je voudrais vous poser est la suivante, sur ce point précis. Que compte faire le gouvernement pour faciliter et promouvoir l'accès à la justice, qui est un problème sérieux en Haïti? Ça, c'est pour la question 22. J'en viens maintenant à une question encore plus importante, qui est la question 23, qui concerne l'indépendance de la justice. Là, je crois que nous sommes au cœur du problème. Cette question est relative au renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption et l'impunité.
On vous a posé également la question sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions contre les magistrats pour faits de corruption ou abus de pouvoir. Également sur le travail du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'inspection judiciaire, l'efficacité du système du vetting de la police, le travail de l'inspection générale de la police nationale et cette question du transfert de l'inspection générale au ministère de la Justice et non au directeur général de la police. Voilà les questions, donc elles sont complexes. Bon, vous nous avez apporté des réponses qui consistent à mettre en relief le renforcement des capacités du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'aide du PNUD et de l'Union européenne. Pour le vetting de la police, vous dites que c'est un processus qui est en marche, puisque 4736 dossiers ont été examinés et des propositions de sanctions, et notamment d'expulsion, ont été prises à l'égard de 130 policiers. Donc il y a un effort qui a été fait. Et puis, vous nous parlez également de l'augmentation des ressources matérielles et financières mises à la disposition du service judiciaire. Alors, voilà, la remarque que j'ai à faire maintenant, c'est que vous évitez le problème de la corruption de la justice et des poursuites et des sanctions contre les magistrats. Or, tant que cette question n'est pas réglée, le système judiciaire souffrira toujours de cette gangrène qui touche beaucoup de systèmes judiciaires dans le monde, qui est la corruption. Ce problème de la corruption de certains juges, n'est-ce pas ? Je n'accuse pas globalement le système judiciaire en Haïti, mais de certains juges, est de notoriété publique. Et d'après les informations que nous avons reçues, je vais vous les résumer en 10 points, très précis, mais très rapides. Tout d'abord, les sources que nous avons dénoncent l'attitude partisane de certains magistrats, c'est-à-dire que certains magistrats sont politiquement engagés d'un côté ou d'un autre. Premier point. Deuxième point, l'intervention de certains parlementaires dans le fonctionnement de la justice. Et là, je ne vais pas allonger, puisque j'ai promis, nous avons promis à notre président d'être discipliné en ce qui concerne le temps de parole. Les faits sont là, nous avons des cas. Je ne vais pas les citer un à un. Mais les informations que nous avons reçues pointent des cas très précis d'intervention de parlementaires dans le fonctionnement de la justice pour relâcher des responsables qui sont poursuivis pour diverses causes et qui sont des amis de ces parlementaires. Troisième point, il y a également l'intervention du pouvoir exécutif. Et d'ailleurs, ce point est mis en relief par l'Office de protection du citoyen lui-même, qui écrit au paragraphe 26 de son rapport, je lis, je cite, « La justice a toujours été l'objet d'influences, d'incitations, de pressions, de menaces ou d'interventions indues, directes ou indirectes, de la part des autorités politiques. » C'est une fin de la citation, je l'ai emprunté au paragraphe 26 du rapport de l'Office de protection du citoyen. Quatrièmement, on nous dit également que des pots de vin sont versés aux auxiliaires de justice et même aux juges. Les auxiliaires de justice et les juges. Cinquièmement, on nous signale que des juges dont les mandats sont venus à expiration n'ont pas été renouvelés. Donc il y a le problème des mandats des juges qui viennent à expiration et qui continuent comme ça au-delà du terme. Sixième point. Il y a le non-respect du tarif judiciaire. Le tarif judiciaire est réglementé, mais on nous signale que le tarif judiciaire n'est pas respecté et qu'il est toujours revu à la hausse, c'est-à-dire que les auxiliaires de justice demandent plus que ce qui est prévu par le tarif. Septième point, la situation matérielle des magistrats. Vous savez que ça, c'est une très grande question. Lorsque les magistrats ne sont pas dans une bonne situation matérielle, eh bien, la corruption s'installe. Et je signale que, vous le savez bien entendu, qu'en juillet 2014, il y a eu une grève des magistrats
pour exiger le versement de 21 mois d'arriérés de salaire. 21 mois d'arriérés de salaire. Si les magistrats en sont là, n'est-ce pas, à faire grève pour des arriérés de salaire sur 21 mois, c'est que vraiment il y a un problème très sérieux. Huitième point, l'impunité des juges responsables d'abus. Cela est signalé par les rapports, là aussi je ne donne pas des détails, mais les cas sont nommément signalés dans les rapports que nous avons reçus de la part des organisations de la société civile. Le neuvième point est relatif à la disponibilité des juges. Les juges, n'est-ce pas, et ça c'est par exemple signalé par le rapport du rapporteur spécial, M. Gustavo Bellone, dans les paragraphes 44 à 46 de son rapport, et ça se manifeste par exemple en matière de contentieux du cadastre. Il y a le problème de la disponibilité des juges, et enfin le dixième point, c'est la lenteur et la passivité des tribunaux dans les cas d'atteinte à la vie et... cela a pour conséquence l'apparition d'une justice populaire par lynchage. Nous avons parlé du problème de lynchage, des vaudous, etc. Ça, c'est une cause, n'est-ce pas? Mais il y a un autre problème de lynchage qui est relatif à la justice, c'est que les gens ayant peu de confiance dans leur système judiciaire se rendent en justice eux-mêmes. Et c'est très grave, n'est-ce pas? Il y a là un problème vraiment très sérieux. Donc, voilà les 10 points que je voulais vous signaler. Donc, le problème est extrêmement complexe. Vous avez là une action à multiples sens qu'il faut engager avec une volonté très ferme pour mettre fin petit à petit et sur le moyen et long terme à ces pratiques qui sont extrêmement préjudiciables au fonctionnement du pouvoir judiciaire en Haïti et donc au fonctionnement de l'ensemble de l'État. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur Benachour. Et le prochain orateur sur ma liste, c'est le Seigneur Salvioli. Seigneur Salvioli, tenez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Qu'il me soit permis, une fois de plus, de saluer la délégation. Je la remercie des informations fournies, du dialogue. J'aimerais, quant à moi, en venir aux points 26 et 28. En effet, certains de ces aspects ont déjà été évoqués par mes collègues et je ne vais pas donc répéter des questions. Mais j'aimerais revenir sur la liberté de réunion et d'association et la question concernant la participation aux affaires publiques. Tout d'abord, j'aimerais aborder les enquêtes suite à l'usage excessif de la force dans le cadre de manifestations, les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Nous avons demandé à l'État parti ce qu'il en était de l'enquête suite aux morts de M. Daniel Dorsin-Brill et Ildril Laroche, qui date de février 2014. C'était deux défenseurs des droits de l'homme qui ont trouvé la mort. Sur l'usage excessif de la force et les pertes de vie dans le cadre des manifestations, l'État nous indique que des enquêtes ont été ouvertes, mais nous n'avons reçu aucune information précise, aucun résultat. Alors j'aimerais savoir s'il y a des résultats à faire valoir suite à ces enquêtes sur l'usage excessif de la force. J'aimerais surtout parler des faits de novembre 2013 et de mai 2014. La délégation le sait très bien. Il y a eu une issue très malheureuse à la répression qui a frappé cette manifestation. Et j'aimerais avoir des renseignements précis sur les résultats des enquêtes ouvertes à cette occasion. De la même manière, l'État nous indique prendre très au sérieux la défense de ceux qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, en particulier... Il prend très au sérieux les mesures conservatoires que demande la Commission interaméricaine des droits de l'homme en cas de risque pour une personne. Moi, je me félicite de cette affirmation de la part de l'État haïtien, mais je reste préoccupée parce que nous avons le témoignage direct d'au moins 5 personnes qui ont bénéficié
des mesures conservatoires de la Commission interaméricaine, mais l'État haïtien ne s'est jamais mis en contact avec ces personnes pour les protéger. Ce sont des personnes qui ont été menacées de mort de manière très grave pour certaines, y compris des lettres avec des balles à l'intérieur, des projectiles. Et j'aimerais donc demander à l'État parti, j'ai ici les noms des personnes concernées, si vous le souhaitez, je peux les mentionner plus tard, pas maintenant. Vous voulez que je les mentionne? André Michel, Newton Saint-Just, Patrice Florvillus et Pierre Espérance. Voilà les cinq personnes qui sont concernées. Donc, concrètement, j'aimerais savoir quels sont les mécanismes qui sont en place pour rendre ou pour appliquer les mesures qui sont prises. Est-ce que l'État peut réagir de manière immédiate pour protéger ceux qui défendent les droits de l'homme? Et, Monsieur le Président, j'aimerais également poser une question qui aurait peut-être dû être posée hier. Est-ce que vous avez envisagé de ratifier le premier protocole facultatif se rapportant à notre pacte? C'est un protocole facultatif et qui permet les communications individuelles. Cela traduirait un engagement de la part de l'État haïtien en faveur de la sauvegarde des droits de l'homme. Maintenant, sur Daniel Dorsimbil et Gildrid Laroche, l'État nous dit que ces morts n'ont rien à voir avec leur activité de défense des droits de l'homme, mais qu'il s'est agi d'un vol commun. Alors, Monsieur le Président, je pensais que ces faits étaient intervenus en février dernier, février 2014. Alors, comment est-ce possible que l'on soit déjà parvenu si rapidement à une telle conclusion? D'autant plus que les responsables des faits n'ont pas été identifiés. Comment est-ce que l'État peut le dire dans un contexte de menace faite aux défenseurs des droits de l'homme, où il y a deux défenseurs des droits de l'homme qui sont morts, on ne sait pas qui est l'auteur de cet assassinat, et d'ores et déjà, l'État rejette le fait que ces décès soient liés à leurs activités de défense des droits de l'homme. Alors j'aimerais demander à l'État parti s'il n'envisagerait pas éventuellement de poursuivre ces enquêtes, sachant que ces morts ont pu être liés à leurs activités de défense des droits de l'homme. D'autant plus que d'autres membres de ces organisations de défense des droits de l'homme ont reçu des menaces. J'aimerais par ailleurs féliciter l'État qui, dans ses réponses, reconnaît le fait qu'il existe des menaces faites aux membres d'organisations de défense des femmes et contre le collectif LGBT. Je pense que c'est essentiel que l'État prenne cela très au sérieux et cette reconnaissance me semble importante. L'on nous dit qu'une des enquêtes ont été ouvertes, notamment dans le cadre de la coordination de COFABI. Il y a eu des menaces faites aux coordonnateurs de COBAJ, une organisation de défense des LGBT, et j'aimerais connaître le résultat de ces enquêtes. Quels sont les résultats concrets? Est-ce que l'on a identifié des responsables de ces menaces, etc.? Dans un cas, on dit qu'un suspect a été appréhendé, mais nous aimerions en savoir un peu plus. Ou en étant dans les enquêtes, je pense que c'est important de montrer que l'État parti n'encourage pas l'impunité pour les cas d'attaque faits aux défenseurs des droits de l'homme. Monsieur le Président, je passe maintenant au dernier point sur la participation aux affaires publiques. Accès à la fonction publique, organisation d'élections, égalité
homme-femme pour l'accès à la fonction publique. Bien sûr, Madame Majodina en a déjà parlé hier, je ne vais pas répéter les questions qu'elle a déjà formulées, mais j'aimerais dire la chose suivante. La réponse de l'État est succincte. Nous n'avons pas obtenu beaucoup de renseignements complémentaires par rapport à ce que nous indique le rapport, mais nous savons qu'il existe un plan de réforme qui est en voie d'exécution depuis 2012. Cela devrait durer jusqu'en 2017. Et nous savons également que l'État a réalisé une étude importante sur la problématique homme-femme dans la fonction publique et l'intégration des personnes handicapées dans le fonctionnariat. Je pense que c'est très important. Mais les organisations de la société civile n'ont pas eu d'accès aux résultats et conclusions de cette étude. Je pense que c'est important de les mettre à disposition de la société civile. Et il est important également que notre comité ait accès à ces informations, des informations qui peuvent s'avérer très utiles sur ce que met en œuvre l'État dans ce domaine. En ce qui concerne les prochaines élections, le processus électoral rencontre un certain nombre de difficultés en matière d'organisation. Les choses se font assez lentement. Le processus est pratiquement paralysé. Par exemple, la nouvelle loi électorale contient de nombreux articles qui ne parlent pas du quota de 30% des sièges réservés aux femmes. Alors, mes deux questions sont les suivantes, Monsieur le Président. Quelles sont les mesures qui sont prises pour améliorer le fonctionnement du Conseil électoral, qui est essentiel pour assurer la démocratie? Et quelles sont les mesures prises pour que lors des prochaines élections, l'on respecte les quotas réservés aux femmes? J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Y muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur Salvioli. Je donne maintenant la parole à Monsieur Setul Singh. Président, je voudrais revenir à une question que j'avais brièvement soulevée hier. Il s'agit de ce 1 million de Haïtiens, de personnes d'origine haïtienne, qui apparemment se trouveraient dans la République dominicaine. Comme nous le savons, Haïti et la République dominicaine partagent l'île de Hispaniola dans les Caraïbes. Et depuis plusieurs générations, il paraît qu'il y a des Haïtiens qui ont émigré en République dominicaine pour travailler dans les champs du canne à sucre et pour faire d'autres travaux domestiques. Et ces Haïtiens, il nous a été dit, et j'ai récemment vu un programme à une chaîne de télévision française, je crois que c'était TV5 Monde, qui nous montrait qu'il y avait des personnes d'origine haïtienne qui étaient apatrides dans la République dominicaine. Il y avait des enfants qui avaient été à l'école primaire, mais ensuite, parce qu'ils n'avaient pas de papier, ne pouvaient poursuivre des études secondaires ou des études universitaires. Et alors, ma question est, qu'en est-il de ces personnes? Je sais que c'est un problème très délicat, un problème difficile à résoudre, parce que là, vous avez des personnes d'origine haïtienne qui sont en République dominicaine, mais qui peut-être ne souhaitent pas retourner en Haïti. Alors, je comprends qu'il y a un problème là, et c'est comment leur procurer des papiers, comment leur donner cette nationalité haïtienne, mais pour qu'ils puissent continuer à travailler dans la République dominicaine comme des travailleuses immigrées. Mais nous pensons que ce problème ne peut perdurer. Alors ma question, c'est, est-ce qu'il y a des discussions, est-ce qu'il y a des négociations avec la République dominicaine dans ce sens pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème? Alors je remercie la délégation en avance pour les éclaircissements qu'elle pourrait nous apporter. Merci, Monsieur le Président. Et merci à vous, Monsieur Setul Singh. Le prochain orateur sur ma liste est Madame Chanet. Madame Chanet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit sur les cas d'apatridie. La convention sur les cas d'apatridie a été, comme je l'ai dit hier, et Madame le Ministre avait approuvé, comme la
Convention contre la torture et le protocole 2 à notre pacte retirés de la session du rôle du Parlement. Et je n'ai pas entendu d'explication. Est-ce que c'est provisoire? Quelle est la raison pour que toutes ces conventions aient été retirées du rôle? Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame Chanet. Monsieur Kellen, vous avez, Mr. Kellen, you have the floor. Monsieur Kellen, vous avez la parole. Merci, merci, Monsieur le Président. J'aimerais ajouter deux questions concernant les personnes déplacées internes. Vous avez, dans votre rapport, mentionné la politique d'aide au logement, et je pense que c'était une très bonne mesure pour désengorger les camps. La question, quand ce programme prend fin pour ceux qui n'ont pas encore trouvé une solution durable, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé des activités génératrices de revenus, quels sont vos plans pour l'avenir? Deuxième question, ça concerne le processus d'enregistrement des électeurs. Comment c'est garanti que des personnes déplacées sont incluses dans ces registres? Car je sais que beaucoup ont des difficultés d'obtenir de la documentation, pas seulement des déplacés, mais ça c'est un des problèmes. Merci. Merci à vous, Monsieur Kellen. Il n'y a pas d'autres collègues qui aimeraient prendre la parole. En ce cas-là, comme toujours, je vais suspendre la réunion pour permettre la délégation de se concerter en vue de nous pourvoir des réponses qu'elle estimera pertinentes. Alors, avec ça, la réunion est suspendue.